Disons que le quartier antique est formé à peu près de 75 000 personnes. Dans ce chiffre, on a une personne sur trois qui est issue de l'immigration. En général, relativement récente, entre 3 et 5 ans. C'est un territoire où nous avons un taux qui est supérieur à celui de l'île de Montréal en ce qui concerne la monoparentalité chez les femmes. C'est un territoire aussi où il y a une proportion importante de personnes âgées. Alors quand on dit une personne sur trois qui vit sous le seuil de la pauvreté, ces personnes-là ont une couleur d'abord et ils ont un territoire. C'est pour ça qu'on parle de zone de pauvreté. C'est vraiment dans des endroits précis et ils ont une couleur en général. Mais l'immigration ou les membres des communautés culturelles ne sont pas les seuls à constituer la pauvreté. Ils sont les plus nombreux, disons. Et ils sont concentrés aussi dans les 7 ou 8 îlots de pauvreté. La naissance Solidarité ainsi que... Elle est née en février 1999. C'est à la suite de la fusion de deux tables, en fait. Il y avait un conseil entièrement communautaire. Ça s'appelait le conseil communautaire d'Ainsic. Il y avait Antique, un quartier en santé, comme il y avait Vivre Saint-Michel en santé. Puis on avait pris le goût de réfléchir sur la possibilité de fusionner, parce que les deux tables avaient exactement le même objectif, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, mais avec aussi une perspective de travail sur le développement social. Ensuite, il se trouve qu'à la période où Solidarité Antique est née, il y a eu un forum, comme partout au Québec, c'est des forums de développement social. Ce forum-là avait conduit à accélérer donc la naissance de Solidarité Antique d'une part, mais aussi à mieux situer les priorités de quartier. Le travail de sensibilisation sur l'état de la pauvreté dans le quartier d'une part et le centre communautaire. Ce sont les deux axes qui ont soudé tout le monde. Pendant des années, Solidarité Antique a fonctionné sur la base de plans d'action, mais ces plans d'action partait d'une lecture des enjeux faits par les organisations membres de Solidarité Antique et les citoyens qui y siègent. 10 ans après, il fallait qu'on fasse un autre exercice, c'est ce qui a donné le forum. Mais un forum mais qui s'est fait cette fois-ci avec un peu plus de professionnalisme. En d'autres termes, il fallait d'abord un forum populaire sur le diagnostic du quartier, un autre forum sur les pistes de solutions. Entre-temps, entre ces deux grands forums, donc mars et octobre 2008, il y a eu une série d'ateliers de discussion sur des thématiques et on a veillé à ce que les citoyens soient dans des ateliers là où les intervenants ne sont pas pour permettre d'aller chercher le maximum de jus chez les uns et chez les autres sans se gêner. Mais il y a aussi des ateliers communs. Tout ce matériel-là, plus d'autres assemblées de solidarité antique sur celle-là, c'est sur les outils d'organisation dont on doit se doter pour pouvoir faire face aux solutions stratégiques qu'on s'est données. Donc, tout ça nous amène à construire une stratégie sur 5 années de travail. Solidarité Antique regroupe 118 membres. Évidemment, les 118 membres ne sont pas tous, tout le temps, présents dans les mêmes activités, les mêmes assemblées, etc. Il y a des élus, les commissaires scolaires, les élus municipales, les députés provinciaux et fédéraux, tous les réseaux de la santé, l'éducation... même l'Association des gens d'affaires d'Antique est là. Donc on a quand même un peu le secteur économique avec la CEDEC, etc., les institutions. Mais aussi on a, à côté de ça, des résidents du quartier. C'est une table de concertation. Hein? Les défis à relever sont les défis que veulent bien relever les gens du quartier. Ça fait quelques années que je suis présidente. Moi, je suis une citoyenne du quartier. Solidarité Antique, je l'abordais beaucoup sur la façon des citoyens. Je suis coordonnatrice de l'initiative 1, 2, 3, Go, qui travaille pour les tout-petits dans le quartier. Mais je suis aussi à titre de bénévole dans un groupe de loisirs qui travaille aussi dans le quartier. Fait que pour moi, les loisirs, c'est plus que juste des loisirs, c'est aussi dans le développement social. Fait que c'est un peu une approche écologique de l'ensemble de ce qui se fait dans l'Antique. Là, je suis intéressée un petit peu partout. C'est ce qui fait la vie d'un quartier, hein? C'est que les gens se sentent concernés les uns par les autres. C'est le lien des individus, c'est l'implication, c'est l'engagement envers nos concitoyens. L'engagement citoyen, mais même des fonctionnaires qui œuvrent dans le quartier, on voit qu'il y a des fonctionnaires qui viennent à la table de Solidarité Antique ou des gens qui viennent représenter une institution qui se sentent concernés.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait d'entraîner. Quand on travaille dans les approches de proximité, c'est d'entraîner des gens qui, autrement, ne se seraient pas approchés d'un secteur d'activité, qui, là, se sentent concernés par le développement de leur secteur, puis après ça, par un petit peu plus grand, puis un petit peu plus grand. Puis c'est ça qui fait une société. Tout ce monde-là ne se côtoie pas de manière aussi, facile. Hein? Il y a des situations conflictuelles, il y a des situations de différence de point de vue, d'intérêt, de rythme, comme on a dit, de toutes sortes de situations. C'est un peu la raison d'exister de notre table, c'est de rassembler tout ce monde-là autour d'objectifs communs.